Et après ça, en fait, vous avez très rapidement réussi à gagner votre vie grâce à l'écriture. C'est bizarre ça. Mais justement, on est là pour parler de ça et Ouais. je crois que c'est justement très beau que ce soit simplement au bout de 30 ans que quelqu'un pose cette question. J'ai jamais eu l'idée qu'est-ce que de ce truc de gagner sa vie. C'est-à-dire pour moi, gagner sa vie, si je suis à l'usine et que je répare une machine, c'est concret. L'écriture, pour moi, j'ai jamais pris dans ce truc-là. Non pas comme un luxe, mais en tout cas quelque chose qui se détermine par rapport à ce qu'on doit faire pour l'écriture et rien d'autre. Par contre, je peux vraiment savoir pour moi-même, intérieurement, que la notion de page n'avait pas existé pour moi jusqu'à très récemment. Or, la page s'invente. Il y a une histoire de l'invention de la page qui est fascinante. C'est-à-dire que dans le rapport, par exemple, au corps. Et pour moi, Ouais. ces questions-là, oui, sont tellement plus essentielles que tout le La page reste. n'existait pas pour vous? Les Mésopotamiens, quand ils transmettent leurs trucs, ils prennent de l'argile. Et avec quoi on en fait? On en fait un bâton avec les mains. Le bâton, évidemment, avec les mains, il peut être plus ou moins aplati, mais l'écriture s'enroule autour. Si Google anticipe la curiosité en gérant cette curiosité, là, il y a du danger. C'est pas notre truc. Si on prend par exemple les algorithmes, quand vous êtes sur n'importe quel truc, puisque ces algorithmes appartiennent à tout le monde, c'est aussi bien pour la Fnac que pour Amazon, etc. Quand un éditeur entre les mots-clés qui valent pour son livre, ce système en ce moment c'est 2200 mots-clés. Le mot révolution, oui, il y est, mais c'est révolution américaine et indépendance américaine. Si vous prenez le mot poésie, vous aurez poésie américaine, poésie d'Amérique du Sud et poésie continentale. Et donc du coup, ces algorithmes d'anticipation et de trucs comme ça, ben oui, tout d'un coup, deviennent des outils de domination idéologique. Il y a beaucoup plus de ce qui a le plus de catégories, c'est la Bible. Ce qui a le plus de catégories ensuite, c'est les animaux domestiques.